Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à l'écart, de l'éviction, entre guillemets, de Nuno Tavares et de Dimitri Payet pour le match crucial qu'on a perdu hier à Lille. Je vous avais fait l'annonce du groupe avant le match, la vidéo pour vous annoncer les compositions. Tout à l'heure, je vous ai fait le débrief à chaud. Là, on va plus calme. On va parler du choix d'Igor Tudor de mettre à l'écart Nuno Tavares et Dimitri Payet pour cette rencontre cruciale pour la Ligue des Champions. On va d'abord faire le point, avant de parler des faits et des raisons, sur la déclaration d'Igor Tudor auprès de Canal+, juste avant la rencontre, sur la mise à l'écart de Nuno Tavares et de Dimitri Payet pour cette rencontre. Il n'a pas justifié, entre guillemets, pourquoi il a mis à l'écart Nuno Tavares et Dimitri Payet pour cette rencontre. Il n'a pas confirmé à 100% qu'ils ont fait ça, ils ont fait ci. Il l'a confirmé en demi-mot. Il a dit, il n'y a pas de problème du tout. Tout est comme ça et ça doit l'être. Tous les joueurs sont livrés à la même enseigne. Les joueurs présents à Lille sont là pour aider l'équipe. Les autres sont restés à Marseille. Ça sera mon seul commentaire à ce sujet. Donc en gros, il a pas essayé de justifier l'absence de Nuno Tavares et de Dimitri Payet de les avoir mis à l'écart. Il a essayé de le confirmer en demi-mot sans trop rien dire de plus. Il a juste dit que les joueurs qui sont prêts à aider l'équipe, qui sont prêts à être là pour l'équipe, ont été présents à Lille hier. Mais que Dimitri Payet et Nuno Tavares sont les autres, il n'a pas confirmé le nom, il n'a pas dit Dimitri Payet et Nuno Tavares sont restés à Marseille, il a dit les autres sont restés à Marseille. Donc en gros, Nuno Tavares et Dimitri Payet, Igor Tudor, selon lui, ne pouvaient pas aider Marseille hier à Lille. Donc il n'a pas essayé de bien justifier pourquoi il avait mis à l'écart Nuno Tavares et Dimitri Payet, mais il a confirmé en demi-mot que pour lui, il n'aurait pas aidé l'OM hier à Lille. Ensuite, sur les raisons de la mise à l'écart de Nuno Tavares et de Dimitri Payet, même si on n'est pas sûr à 100% que ce soit ça, mais on imagine que ça soit ça, il se pourrait que Igor Tudor avait mis en place vendredi à l'entraînement, donc soit à la veille de match, une préparation de la 11 de départ pour cette rencontre, et Nuno Tavares et Dimitri Payet n'en faisaient pas partie. Donc ils ont boudé, ils ont un petit peu laissé traîner les pieds, ils ont plus trop rien fait à l'entraînement parce qu'ils étaient furieux de ne pas être dans le 11 de départ qui aurait débuté hier soir à Lille. Pour Nuno Tavares, moi je m'en fous complètement. Il peut déjà partir s'il veut dès maintenant. Moi je le considère plus comme un joueur de l'OM. Il a joué tout le temps perso. Il a régressé par rapport au début de saison où il avait été formidable. Là il a régressé, il ne fait plus rien pour l'OM. C'est fini, lui il doit partir. Donc pour ce coup-là, il a bien fait de la mise à l'écart parce que souvent, il traîne souvent des pieds. Et Dimitri Payet, moi je comprends pas. Et je suis sûr que si c'est vrai, c'est Dimitri Payet a eu raison de le faire parce que toute la saison, il a fermé sa bouche, il s'est tait, il a laissé la saison se terminer, il a accepté à 200% les choix d'Igor Tudor, il a jamais demandé quelque chose. Il était toujours concentré à 100% et en acceptant à 200% les choix d'Igor Tudor. Et là, le fait de ne pas être titulaire dans un match aussi crucial pour l'Europe, ça l'a mis en colère et c'est normal qu'il ne s'entraîne plus. Alors, il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, s'il veut jouer, il faut qu'il respecte les choix d'Igor Tudor. Il les a toujours respectés. Depuis le début où il ne jouait plus trop jusqu'à aujourd'hui, il les a toujours respectés. À 200%, il a même dit en conférence de presse ou en interview, je sais plus, si l'équipe doit jouer toute la saison sans lui, s'il doit être présent sur le banc, mais sans rentrer en jeu, il acceptera toujours. Il acceptera toujours les choix d'Igor Tudor à 200%. Mais là, je pense ce qui l'a énervé, c'est que après, si l'appel de l'OM, le recours de l'OM n'est pas accepté, ça aurait été sa fin de saison pour lui. Ça aurait pu être son dernier match sous les couleurs de l'OM, au moins cette saison. Donc là, ça l'a mis en rogne. Et en plus, un match aussi important, il se sentait peut-être capable d'aider l'équipe à accrocher la deuxième place et de l'écarter. Bah moi, je le comprends complètement que Dimitri Payet enfin réagisse et mette un coup de poing sur la table. Il s'est tait toute la saison. Là,
C'est enfin le temps de réagir. Il a eu totalement raison. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Igor Tudor ait écarté Dimitri Payet, alors que ça aurait pu être tout simplement peut-être son dernier match de sa carrière, peut-être son dernier match sous le maillot olympien, et tu ne l'as pas respecté, tu l'as mis à l'écart. Donc moi, je ne comprends pas. Mais du coup, on en revient sur le sujet de la vidéo. La raison de la mise à l'écart de Tavares et Payet, ce serait un manque, comment on dit ça, un manque de concentration et un manque de sérieux, d'attitude des deux joueurs, c'est pour ça qu'ils les ont mis à l'écart. Nuno Tavares, moi je m'en fous complètement parce que je pense qu'il va quitter l'OM. Mais Dimitri Payet, moi je savais depuis qu'il commençait à plus trop jouer qu'il allait à réagir à un moment ou à un autre. Il a réagi là, Igor Tudor, ça l'a pas plu et il l'a mis à l'écart. Donc moi je pense que, je vous en ferai une autre vidéo sur les rumeurs de départ d'Igor Tudor, moi je pense qu'Igor Tudor doit partir parce que tous les joueurs sont mal. Ils sont plus bien à l'OM. Ils veulent tout le temps partir depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Alors qu'avec Sampaoli, ils se sentaient très bien. Donc, là, il va falloir se poser des questions sur l'attitude des joueurs depuis l'arrivée d'Igor Tudor.